D'une certaine manière, le quinquennat d'Emmanuel Macron pourrait bien se jouer cet après-midi. La République En Marche abat ses cartes pour les législatives. Le mouvement du président élu va dévoiler les noms de 450 candidats. Conférence de presse à 14h30. Le mot d'ordre, c'est renouvellement. 60% d'entre eux devraient être issus de la société civile. 14 sont déjà connus. Un échantillon, en quelque sorte, dévoilé juste avant la présidentielle. Sinamir, vous avez rencontré pour RTL l'une de ces candidates. Elle est avocate, originaire de Seine-Saint-Denis, et elle se présente à Paris. Avec une demi-douzaine d'interviews et de séances photos par jour depuis lundi, Laetitia Avia n'a pas encore eu vraiment le temps de s'y faire. C'est vrai, les choses vont très vite. À 31 ans, cette jeune avocate diplômée de Sciences Po fait partie des nouveaux visages promus par En Marche. Au départ, je n'étais pas candidate. J'ai entendu Emmanuel Macron lors d'une interview parler de moi et dire que je faisais partie des femmes qui faisaient preuve d'autocensure. C'est le genre de choses qui m'ont un petit peu titillée. Pour apprendre, la candidate a donc été depuis coachée pour résoudre les problèmes de logistique de campagne. Mais sur le fond, cette jeune femme née en Seine-Saint-Denis dit connaître tout du programme qu'elle porte et compte en plus s'appuyer sur son parcours. Je connais les difficultés des entrepreneurs. J'ai créé mon cabinet, j'ai fait Sciences Po, j'ai bénéficié d'un système de discrimination positive. Je suis tout à fait consciente des difficultés lorsque je parle de vivre dignement de son travail. Des convictions qui devront résister au tourbillon de cette exposition éclair. Secrètement, Laetitia Avia rêverait même déjà d'un message de soutien de Michel Obama. Ah, vous êtes au courant de cela? Pas sûr que l'ex-première dame des États-Unis sache où placer la 8e circonscription de Paris. Portrait signé Sinamir.